Hop là, vous êtes toujours avec le gratteur fou. Bon, on poursuit donc ce challenge de machine à sous en ligne. Donc là, c'est un jeu qui s'appelle Platinum Pyramid. C'est un jeu que j'avais déjà testé il y a peut-être un an et demi ou 2 ans en arrière. Alors, on part donc avec un pot de départ de 1700 balles. Espérons que ça fasse comme la partie précédente du Money Train 2, c'est-à-dire que ça se termine sur du bowin. Alors, on va jeter un petit coup d'œil, ça doit être par là. Voilà, table de paiement. Alors, Joker. Les scatters, Free Games, quand il y a 3 scatters ou plus. Alors les symboles de paiement, Free Games Feature. Ok, les lignes de paiement. Allez, c'est parti, on va pouvoir attaquer. Voilà, c'est par là, hop. Alors les mises. 10, 20. Apparemment, elles doivent être assez hautes, les mises. On va commencer avec des spins à 20. Allez, go. Alors, total bet 20, win 10, la moitié de la mise. On va essayer de chercher les 3 pyramides pour avoir les free spins. Mais bon, ça, c'est pas moi qui va décider, c'est au bon vouloir du jeu. Alors, win 50, pas d'option double sur ce jeu. Allez, spin à 10 balles. On va en faire 4 ou 5, après on va tenter un spin chance à 50 balles. Alors, est-ce que c'est perdant? C'est perdant, on va tester quelques spins chance. Alors 40, 50, alors on va en tester 3 comme ça. Alors le premier il paye 50 balles, le deuxième il paye rien du tout, le troisième s'il y avait les 3 pyramides ça serait pas mal. Ok, ça a rien payé. Allez, retour sur des mises à 20. Alors deux pyramides, il manquait la troisième. Alors win 80. Bon, on va dire que des fois j'ai des sacrés coups de chance. 2-3 spins en début de partie. J'ai les 3 symboles bonus. Bon, c'est un petit peu rare. Ah, win 250, c'est pas mal. C'est vrai que c'est plutôt miraculeux quand en tout début de partie le jeu il file les bonus. Mais bon, des fois les miracles ça arrive. Alors win 15. Alors win 150. 1747,50. On dépasse un petit peu la balance de départ. Enfin, de pas grand-chose, de 47,50 €. Alors, si après ça, il n'y a rien, spin chance. Allez, hop. Ah ben voilà le spin chance à 50 balles. 50 balles de mise. 5 symboles du je ne sais pas ce que ça représente. 1250 de win. Alors on va faire un petit peu le bilan. 2912. On avait commencé à 1007. Alors réfléchissons, réfléchissons. Hop, on va baisser les mises. Allez, mise à 10. Éventuellement, je vais me fixer une limite. Ouais, vers les 2007-2008, on va un peu tâter le terrain, voir ce que ça donne avec des mises à 10. Bon, bah comme quoi, des fois, les spins chance, ça fonctionne très bien. C'est plutôt rare, mais des fois, ça marche.
Bon, après, c'est un total hasard. C'est vraiment remettre la balance dans les mains du hasard, car c'est pas évident d'augmenter les mises à 50 balles, de faire 2-3 spins et de se pêcher au 1250. C'est plutôt rare. Mais bon, ça arrive. Alors, un petit 3 pyramides, ça serait sympa aussi. Alors, win 40. Ok, dommage pour la troisième. À vrai dire, je retenterai bien quelques spin chance, mais bon, vu que je me suis fixé une limite vers les 2007, donc on va pas trop bouffer l'excédent trop vite. Vaut mieux jouer avec des mises à 10, voir éventuellement ce que ça donne. Il y a toujours un moyen de se pécho des wins sympas, éventuellement de faire fructifier un peu la balance. Donc on va pas s'enflammer avec des mises suicidaires. Alors, 2775, 75 balles de restant à jouer. À 2007, on arrête si on arrive à ce niveau-là. Alors, est-ce qu'il va y avoir du win entre-temps? Alors, on va passer sur des mises à 5 pour finir les 45 balles tranquillou. Alors, un petit free spin, s'il pouvait apparaître les 3 pyramides, ça serait pas mal. J'y crois pas trop, mais bon, c'est toujours une probabilité, donc on ne sait jamais. Alors, win 250. Encore 250 de win, la moitié de la mise. Voilà, pareil. Alors, 11,25 centimes d'excédent à jouer. À 2007, on arrête. Alors, dommage pour la troisième pyramide. Il semblerait qu'elle veuille pas se manifester. Allez, dernier spin à 5. Qu'est-ce que ça va donner? Alors, 1,25 €. Voyons voir. Ouais, le petit spin à 1 euro qui a rien donné, 25 centimes. Est-ce qu'on peut jouer ça? Alors, win 10. Là, je crois qu'on en était aux mises minimum. Et ouais, mise minimum, 20 centimes. Hop. Alors, on ne peut pas choisir les lignes non plus. Bon, bah du coup, arrête parti ici à 2007, donc bah, c'est cool. On avait commencé donc à 1700 balles, on finit à 2007, donc ça fait 1000 balles de bénef. Donc ici, on va remarquer winner et on va rajouter 1000 à ce joli montant de 6850, ça fera donc plus 7850. Là, c'est franchement pas mal. Mais bon, faut quand même pas trop s'enflammer car il faut quand même faire un petit peu gaffe avec ce genre de jeu. Il suffit de 3-4 petites parties perdantes. Pour que le montant en bénéfice se fasse bien rogner, comme ça a été le cas par exemple, voilà ici, on était à plus 4004, et là on avait paumé 1004, repaumé 1002, paumé 1100, paumé 1200, repaumé encore 1200, repaumé 1400, et en fait on était passé de plus 4004 à moins 3100, donc ça fait un petit peu réfléchir quand même, hein. Alors, dernière fois qu'on était en négatif, voilà, plus 5250.
4 parties perdantes, hop, on se retrouve à moins 1450. Donc, il va falloir être prudent sur les prochaines parties. Mais bon, ça, c'est pas moi qui décide. C'est les jeux qui sont totalement aléatoires. Ok, donc fin de la 64e partie. Donc, comme je disais, je vais aller jusqu'à 100. J'ai un petit peu du mal à parler après ce win. Le stress des crises cardiaques. Donc, on verra bien ce que ça donnera sur les prochains jeux. Mais là, pour le moment, il semblerait que ce soit pas mal de parties chanceuses. Bon, ben sur ce, les amis, je vous quitte donc ici sur ce win, sur cette fin de partie avec cette balance à 2007. Et je vous donne donc rendez-vous très prochainement pour poursuivre ce challenge de machine à sous. Allez, la bise à tous, à bientôt!